C'est via un communiqué de presse que le palais de Buckingham annonce que le roi Charles III a commencé à recevoir un traitement contre le cancer. La maladie a été diagnostiquée à la suite d'une opération bénigne à la prostate fin janvier. Si la nature du cancer n'a pas été révélée, la couronne précise cependant qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate. During the examination of the pelvis, other organs are looked at as well, or there may have been some preoperative tests that were done. But the main thing is, it sounds as though he didn't have any symptoms from this cancer, so it's been caught early. And all the messages they're coming out are very reassuring. Monté sur le trône il y a moins de 18 mois, le roi âgé de 75 ans a suspendu ses engagements publics. Il continuera cependant d'exercer sa fonction de chef d'État, en honorant par exemple ses prochaines réunions hebdomadaires avec le Premier ministre.